Bon, eh ben bonjour les gens. Bonjour les gens. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, qu'on n'a pas filmé. Il y a eu plein de chantiers oubliés. Oui. Vous avez qu'à aller sur Insta. Pourquoi on est là? À vous expliquer un petit peu. Monsieur, il a 2-3 trucs à dire à la Massif. Alors, voilà, c'est ça le problème. En fait, il y avait un arbre qui était là-haut. Oui, le problème, il est là. En fait, on est dans la piscine. Le liner, on ne sait pas s'il est touché ou pas. Donc, on va essayer de ne pas exploser le liner. Ici, je dois féliciter le grimpeur qui est passé avant moi, même si je ne supporte pas les grosses coupes. Mais pour que le coup, là, il a sauvé la mise au client. Ça a été coupé. C'est pile poil, hein, parce que entre là et là, il n'y a pas une main. Le grimpeur, il a coupé pile. Autrement, il aurait explosé le mur. Hein. Ah, autrement, le mur, là, il n'y a plus rien. À mon avis, vu la section qui est coupée là, même là et là-bas... Peut-être qu'il aurait pris appui. Et ça n'aurait pas... Oui, ça, sur le papier, oui, ça peut marcher. Ici, alors ça, c'est la coupe, hein, c'est la coupe du grimpeur. Hein, il n'a pas été recoupé. Donc là, c'est pile poil. Il y aurait eu 10 cm de moins, il allait au fond. De là, c'est pile poil. Là, c'est pile poil. Là-bas, c'est pile poil. Celle-là a pris un peu, mais dans l'ensemble, les marges, elles n'ont rien. Mais moi, je dis, le grimpeur est beau. Au niveau des longueurs, il avait le compas dans l'œil. Donc, ça s'est fait en décembre. Le 21 décembre, suite à un coup de vent, c'est ça? Exactement, tempête, pluie, coup de vent, et l'expert a décrété que c'était 63 km/h qui avait été enregistré. Eux, à partir de 70, ils prennent pas, donc... En dessous de 70, ils prennent pas, ouais, d'accord. Effectivement. Ils considèrent que c'est pas tempête. Donc pour 7 km/h? Ben oui. Alors en résumé, tu l'as dans le cul. Exactement, alors voilà. Que la mairie a bien attesté qu'il y avait eu d'autres dégâts à cette journée-là. Et donc, ils attestaient qu'il y avait bien eu un coup de vent important. Quoi. Bon, je sais pas, quand on est assureur et qu'on a bien comme celui-là assuré, que le monsieur profite pas de l'assurance en permanence, faire un geste. Alors je crois qu'il l'aurait pris même, ils disent, s'il était tombé sur la maison, parce que ça aurait touché la maison. Donc en gros, planter les arbres de façon à ce que quand ils tombent, c'est sur la maison. Ils vous broient la maison. En clair, c'est ça, parce qu'en fait, ils me prennent en charge la replantation de l'arbre. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa. Mais en fait, cette fois, tu le planteras là-bas. Oui, il y en a un là-bas. Effectivement, comme ça, s'il tombe, t'es sûr qu'il ramasse la maison. Ah, c'est n'importe quoi les assurances. Donc en gros, ben, il a tout dans le cul, le liner, le machin, le bordel, c'est tout pour sa gueule. En gros, c'est ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Sur le papier, on va prendre la grue, un hélico, un gros porteur. On va l'attacher en deux, on va le soulever. Et on l'amène. L'hélico, il sera vite rendu là-bas chez Gascogne. Donc il faut en gros qu'on sorte ça sans rien casser. Dessous, on espère que le liner a rien. On espère que là-bas, le liner va bien. Tant que l'arbre est là, le liner ne fuit pas. Pour le moment, il a dit la piscine. Ah ben, elle fuyait pas. Elle fuyait pas. Il a tout nettoyé, tout seul, avec ses petits bras musclés. Après toutes ces années, ben, c'est la première fois que j'arrive. Et ben, il n'y a plus de branches. En général, je mets une combi de plongée et c'est moi qui vais dans l'eau. On va essayer de sortir ça sans casser plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud patate. On va voir, on va essayer. Qui ne tente rien, n'a rien tenté. Comment tu le sens, Lydie? Je pense qu'on a un hélico ou pas. C'est toujours la même chose. On en revient toujours au même. L'idée, on va le tenir là-haut, on va le soulever là, et après, on va débiter un morceau gentiment, là. Et puis là, et puis là-bas, et puis après, on le fera revenir, on le posera doucement, et puis ainsi de suite. Ainsi de suite. Normalement, un appui en deux, elle doit le lever. Mais un appui en deux, normalement. Banane s'écrit avec un B, mais normalement avec un N. Normalement. Ah Mimi, t'en penses quoi vu de là-haut? C'est la merde. Là, je sais ce qu'elle se dit. C'est encore pour nous. Papa, il a encore pris un chantier de merde. J'aurais préféré des branches à broyer. Ouais, je crois. Ils sont jamais contentes. Tu prends des chantiers où il y a des branches à broyer, ça va pas? Tu prends un chantier où il n'y a pas de branches? J'ai rien dit pour les branches à broyer. Ça va pas. Qu'est-ce qu'elle ferait, Mimi? Mimi, elle reprendra le 4x4 et rentrera à la maison. Ah, non, on part à Lourdes, hein. J'ai de l'eau. T'as de l'eau lourde? Ouais. Là, c'est le moment, je pense. Là, c'est le moment. Là. Si d'habitude, c'est, je sais ce que je vais faire, là... Là, il m'aurait pas coupé la souche. Je savais ce que je faisais, mais là... Moi, je me demande si j'aurais pas commencé à enlever ce morceau-là, simplement. On va d'abord essayer de le tenir. Mais pour moi, il tiendrait quand même sur ces deux. Ça, on verrait voir si ça bouge ou pas, mais... Piscine, ah bah de toute façon... C'est plus simple, hein. Mais... Bon après, tu fous un coup de tronçonneuse là, avant tu fais une prière quand même, tu vois. On le laisse comme ça et puis on met en eau, ça fait une attraction pour la piscine, on pourra sauter, monter... Ça fait un plongeoir. Ça fait un toboggan, si tu le creuses. On met le camion là-bas, on met le corps et on tire fort comme ça va dans la maison.
Comme ça, vous êtes assuré. Et puis là, le mur, à mon avis, là, non, tu pourras même... Non, mais c'est pour l'assurance. Comme ça, ça a touché les hommes. Ah oui. Voilà. Bon, on va appeler l'expert d'abord. Vu l'expert, il vaut mieux. Sachant que l'expert, je l'ai eu au téléphone. Hein. Il m'a demandé. Ah ouais. Ouais, il m'a demandé. Ouais. Moi, je lui ai dit, on a eu plein d'interventions ce jour-là, en décembre. Il m'a dit, ouais, je comprends et tout, machin. Et puis, il a rappelé le client en lui disant, bon, tu l'as dans le cul. Ah, c'était poli. Bon, voilà, je coupe et puis on va essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Tu l'as soulagé, le train il est plus qu'à moins de 1000. Eh, tu l'as beaucoup reculé, regarde. 600. Tu l'as soulagé. Donc vous allez les accasser, c'est-à-dire. Ouais, c'est pas une maison. T'as 850 dans la poulie. 850 dans le trail. 835. Touche plus. On va pas voir si tu as du coup, pas le train comme du coup.
740 740 Une tonne de sang. Normalement, ils auraient pu tourner. Il tient le treuil. 600 kilos. Ça descend. Tiens, 20 kilos le treuil. Tu le poses pas sur des bûches? Ça va, ça tombe plus d'un arbre. Ouais. C'est plus dur et fait.
enfant que je viens d'acheter. Allez, les pauvres. Bon, mais voilà les gens. Tu dis voilà et tu leur as pas montré. Mais là, ils ont pas vu quand c'est propre. Ah. Non, parce que j'ai arrêté de filmer quand elle a commencé de balayer. Tout est propre, Mimi, il a tout balayé. Ça manque un petit peu de souffleur et c'est réglé. Le mur, il est abîmé juste comme il était abîmé tout à l'heure. Alors, comment on a fait? Là-haut, tu as une chaîne, là ici. Là. On a mis le treuil Winchtronic à l'intérieur de la sangle. Après, on a pris une sangle de 8 tonnes ouais. Qu'on a attachée autour du pied du cèdre. Et on a rallongé avec une sangle jaune de 3 tonnes qu'on a remonté un petit peu l'arbre comme tu as vu. On l'a décalé de la piscine qui a été fait avec le treuil. Il a pu nous retirer l'arbre complet, juste ce qu'il fallait pour le sortir du liner. Après je l'ai tenu à la grue, je l'ai soulagé un peu. On l'a débité comme tu as vu en montant et on l'a fait venir tout doucement, petit peu à petit peu. Quand le treuil est arrivé pratiquement en bout de course, Mimi elle est montée là-haut avec une corde. Elle fait venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout se bat. Ouais, sauf qu'il n'y a pas eu de zap à la fin. Ça a été tout doucement jusqu'à la fin. Il y a pas, mais oui, il n'y a pas eu le zap. S'il y a le zap, il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de piscine. Issue accomplie, le mur. On a fait tomber quelques cailloux là, en plus. Le pot de fleurs, c'est pas nous, c'était déjà fait. Voilà, les cailloux qui sont là, c'est nous qui les avons fait tomber. En plus, le client... Il est satisfait, il y a une bonne coordination qui s'est faite et nous sommes tous très heureux. Donc. Alors moi, le client, pas bileux de l'après-midi. Ah ouais, non, mais alors là... Ah non, pas du tout stressé, non, simplement par le bruit du... Il a eu peur des morceaux qui tombaient dans la benne du camion, mais pas là. Il nous a juste dit, bon, il y a la guerre en Ukraine, alors... C'est vrai, faut relativiser. Alors, Amatos, on a le nouveau treuil de Winchtronic, le tout dernier né. Bien sûr, c'est une série FLD Lagage Black Edition. FLD. Top. Bah, si tu ça, le vois. C'est juste parce qu'il a fait un caprice. Hein. Mon treuil. Donc, ça, c'est notre treuil, celui qu'on a eu au tout début. Ça. Alors, il y a apporté des améliorations parce que celui-là, je lui ai un peu fait chauffer le moteur. Mais c'est ma faute. Moi, j'ai des trucs qui sont comme ça, tu vois. Chaque fois que tu as un plot là, je peux brancher une batterie. Le problème, c'est que quand tu me donnes un câble comme ça, si j'ai 3 batteries, je mets 3 batteries. Et le problème, c'est qu'on a une grosse batterie qui fait 3 petites. Donc, on mettait la grosse batterie plus 2 petites, ça faisait en fait un peu trop. Au niveau ampérage, le moteur il a pas supporté. Mais c'est ma faute. Il faut pas cumuler trop les batteries. Il a intégré la partie commande radio à l'intérieur. Il a mis un filtre ici au niveau de la ventilation. Ça rentre pas directement à l'intérieur du treuil. À l'intérieur. Donc derrière cette plaque là, il y a une fiche où je peux le connecter à l'ordinateur et lui peut intervenir sur le treuil directement via l'ordinateur. Voilà les améliorations portées. En traction, il a tiré en traction directe 1,5 tonnes, mais il n'était pas à fond. 1,5 tonnes sur une batterie et en fin de journée, tiré une première fois pour un essai de traction. On l'a relâché, on a retendu une deuxième fois, c'est ça? Parce qu'en fait, on savait pas qu'il avait tiré autant. En fait, on a fait 3 tractions complètes à 1,5 tonnes. Et après, ben, il a tenu l'arbre pratiquement jusqu'en bout de câble pour le faire descendre. Et la batterie était à 60% quand on l'a enlevé. Donc, c'est pas mal. Belle petite machine. En fait, moi, j'étais en bas à la grue et je gérais le treuil qui était tout là-haut avec la télécommande. Pratique. Les sangles, on a utilisé une sangle comme ça qui fait... Combien on a dit ? 3 tonnes et 4 mètres. La bleue ? 8 et 5 mètres de long. Et la rouge, 5 tonnes. Et si vous faites ça un jour, prenez des sangles et pas des cordes parce que ça cisaille sur les pierres. Parce qu'elles ont ramassé quand même. C'est beaucoup plus solide. C'est clair, je pense pas que c'est solide. Ah, et entre les deux, une manille. C'est la manille à Lidic. Elle est là. Voilà. Oh, punaise. Elle a frotté. Oh, ouais. Elle a un peu frotté elle sur le. Mangé un peu, elle a ouais. Un peu mangé. Bravo encore. C'est très bien. Moi, je vous remercie. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas évident du tout. Et bravo à vous. Merci.
Bravo à FLD et la gage et la gueule grimpeur. 06 29 62 51 deux fois quand il y a quelqu'un qui répond. C'est parce qu'il dit la pub, parce que de tête il ne le sait pas. Voilà les gens, allez, on va vous laisser, nous on va rentrer à la maison. On va aller décharger les trois bûches que j'ai dedans. Encore un petit chantier rondement mené. Les filles rangent la cabane. Dans la remorque là-bas, c'est Tetris. Oh ouais. Nous on y touche même pas. Moi j'y touche, nous on y touche plus parce qu'à chaque fois on se fait engueuler. Elle a oublié d'en parler à Jean. Jean, ouais. Mimi elle en peut plus de la boîte. Jean, ouais, la boîte franchement, c'est vraiment le seul truc qui est chiant sur ce treuil. C'est la misère pour ranger le treuil à chaque fois. Vas-y, sur le placard s'il te plaît. Merci. Non, non, en dessous il est bien. Voilà, tu vois, ça y est. Spécial dédicace à Jean. Ah il fallait bien quelque chose d'ailleurs, hein, de toute façon. Eh oui. Depuis le début, c'est la boîte. Depuis le début, c'est la boîte. Mimi, elle en peut plus de la boîte. Qui est Mimi? Si, merci, ça va prendre le plaisir. C'est qui se coince dedans? Dans le petit truc, là. Mimi? Ah, qu'est-ce que c'est qui coince? Ah mais c'est l'anneau dessous non? Il est à plat ton anneau? Dessous? C'est la galère cette boîte. Horrible. Mets le couvercle avant que je remette la corde. Bon voilà les gens, allez on va vous laisser. On vous souhaite une bonne soirée, faites attention à vous. Si vous faites ça, faites-le en sécurité. On vous laisse, attention à vous, ne faites pas n'importe quoi. Allez, ciao à tous. Ciao. Au revoir les gens. Au revoir, j'ai oublié. Oui. J'attendais. Soyez sages. Mais pas trop. Eh ben tu l'auras après cette fois. Allez, ciao à tous. BDB, il est prêt. Tu dis au revoir. Au revoir les gens. Il est fou comme un lapin ce Kleps. Il arrive. Ah ouais, il arrive. Ah ouais, il arrive. Il est aussi con que son patron.